Si tu as une seule source lumineuse et que tu veux avoir un éclairage uniforme tout en ayant un contrôle sur ton arrière-plan, cette technique est pour toi. Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Alors, si tu as une seule source lumineuse et que tu veux avoir un éclairage uniforme tout en ayant un contrôle sur ton arrière-plan, cette technique est pour toi. En effet, l'éclairage en douce est une technique d'éclairage qui consiste à placer une source de lumière au-dessus du sujet, généralement une personne, et à la diriger vers le bas. Cette technique crée une lumière douce et diffuse qui illumine les zones dures et les contrastes élevés, ce qui donne un aspect plus doux et plus flatteur au sujet. J'organise le 24 novembre un workshop sur la photo de studio sans studio. Dans ce workshop, je vais vraiment te montrer les techniques qui vont te permettre vraiment de prendre des photos chez toi, dans ton salon, ta chambre, ton garage, peu importe, mais dans un très petit espace, tu peux faire de très très belles photos. Dans ce workshop, va vraiment te permettre de faire des photos dans un très petit espace chez toi pour vraiment que tu pratiques et que tu ne laisses pas ton appareil photo dans ton armoire. L'un des avantages de l'éclairage en douche est qu'il permet d'utiliser une seule source lumineuse, permettant ainsi d'avoir le contrôle sur le sujet et l'arrière-plan en même temps. En dirigeant la lumière vers le bas, il est possible de créer un effet dramatique en éclairant le sujet tout en créant des ombres plus prononcées sur l'arrière-plan. Par exemple, si l'on photographie une personne debout sous un éclairage en douche, la lumière frappera la partie supérieure de son corps, créant ainsi des ombres sous son menton, ses joues et ses yeux. Ces ombres peuvent être dramatiques et donner une impression de profondeur à la photo. Cependant, si on éloigne la lumière du sujet, les ombres seront moins dures, rendant ainsi l'éclairage plus doux et homogène. L'éclairage en douce est souvent utilisé en photographie de portraits et de mode pour créer des images douces et flatteuses. Il est également utilisé dans les publicités pour les produits de beauté et de soins personnels. En utilisant cette technique, tu pourras contrôler la quantité de lumière qui atteint le sujet en ajustant la distance entre la source de lumière et le sujet. En déplaçant la source de lumière plus près ou plus loin, tu pourras changer la qualité de la lumière, ce qui peut donner un rendu différent d'une image à une autre. En résumé, l'éclairage en douche est une technique d'éclairage qui utilise une seule source de lumière placée au-dessus du sujet et dirigée vers le bas. Cette technique peut donner un aspect doux et flatteur au sujet, ainsi qu'un rendu dramatique en créant des ombres plus prononcées sur l'arrière-plan. Elle est souvent utilisée en photographie de portrait et de mode, ainsi que dans les publicités pour les produits de beauté et de soins personnels. Donc voilà tout ce que tu dois savoir sur l'éclairage en douche. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Bonjour photographe, j'organise le 24 novembre un workshop sur la photo de studio sans studio. Alors pourquoi sans studio? Parce que dans un premier temps, l'hiver approche et tu sais que la plupart des gens vont ranger leur appareil photo, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et beaucoup de gens n'aimeraient pas aussi dépenser beaucoup d'argent pour louer un studio. Donc dans ce workshop, je vais vraiment te montrer les techniques qui vont te permettre vraiment de prendre des photos chez toi, dans ton salon, ta chambre, ton garage, peu importe, mais dans un très petit espace. Et tu vas voir que vraiment, tu disposes de beaucoup d'éléments qui sont déjà présents chez toi avec lesquels tu peux faire de très belles photos. Donc ce workshop va vraiment te permettre de faire des photos dans un très petit espace chez toi pour vraiment que tu pratiques et que tu ne laisses pas ton appareil photo dans ton armoire. Donc réserve ta place parce que les places sont vraiment limitées et ça c'est même pas du marketing, c'est vraiment limité. La salle prend juste 40 places et les premiers seront les servis tout simplement. Donc je t'invite à vraiment cliquer sur le lien en bas pour avoir plus d'informations et si tu es intéressé à nous rejoindre le 24 novembre. Allez, salut.